Salut tout le monde, c'est Megafantin, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo sur ce jeu, mais malgré ça, ça fait pas non plus très très longtemps que j'ai joué, parce que la dernière fois que j'ai joué c'était hier. Oui, j'ai pas mal joué quand même entre temps, entre le dernier épisode qui était du coup en mode cargaison, je crois, oui c'est bien ça. Aujourd'hui on va plus se consacrer du coup comme promis à la zone de largage, vu qu'il n'y a pas eu de nouveauté depuis. Par contre j'ai dévoyé du coup quelques armes entre temps, comme je l'ai dit. J'ai débloqué la Relby que j'ai pas encore testée, donc je vais la tester aujourd'hui avec vous, la Relby V10. Je viens de la débloquer avec les contrats du coup de Jabba le Hutt. J'ai également débloqué, mais bon, ces armes je les ai testées, donc le T21B qui est quand même pas mal. De ce que j'ai pu tester pour l'instant, il est vraiment meilleur autrefois que le T21, et j'ai réussi à faire de très très bonnes parties avec cette arme, donc elle est prometteuse. Et l'autre arme que j'ai débloquée, c'est le DL18, également avec les contrats de Jabba le Hutt. Celle-là, je l'ai pas encore vraiment testée, donc faut voir ce que ça donne. Je vais sûrement voilà, jouer aujourd'hui au DL18 et au Relby, histoire de bien tester ces deux armes, et après peut-être avoir un bon ressenti. Je l'espère en tout cas à la fin. Donc comme je vous dis, on va se consacrer uniquement au mode de zone de largage. Oula. Vous avez vu également que depuis la semaine dernière, les épisodes de Star Wars Battlefront seront maintenant tous les mercredis au lieu de tous les dimanches. Voilà, j'ai un peu changé le planning, on va dire. Mais ça change rien, il y aura toujours un épisode par semaine. C'est juste que maintenant c'est le mercredi. Voilà. Donc on va sans plus tarder lancer zone de largage. Est-ce que je vais choisir la carte? Oh non, on va laisser comme ça. On va laisser le suspense de la carte. Allez, c'est parti, zone de largage. En espérant que ce soit du coup une partie non commencée. Donc même si je jouais hier, bien entendu, aujourd'hui c'est ma première partie. Mais ça devrait pas poser de problème. Mais non. Allez, fait bizarre. Attendez, par contre, juste un truc. Y a pas en bordure extérieure la zone de largage? Oui, parce que sinon, ouais. Ce que j'allais dire, j'ai beaucoup joué en zone de largage. Non, plutôt dans les maps du DLC bordure extérieure. Donc là, ça me fait un peu bizarre. Du coup, je me suis dit peut-être qu'il y a zone de largage, mais non. Pas du tout. Ok, donc partie déjà commencée ou pas? Quels sont vos pronostics? Dites-le en commentaire. On va voir. Bon, bah, zone de largage, du coup, ça va pas être vraiment une grosse découverte aujourd'hui, vu que c'est un mode qui était disponible dès la bêta. J'avais beaucoup joué sur la bêta, donc je le connais bien. J'ai un peu joué également sur cette version finale, mais pas trop. Peut-être du coup qu'il y a des changements, mais non, j'ai vraiment pas beaucoup joué sur cette version finale à la zone de largage. Donc on va voir, peut-être qu'il y a des changements hein, depuis, comme avec Attaque des Marcheurs. On avait pu voir qu'il y avait justement des changements. Bon, quelle arme du coup je vais prendre en premier? Je sais pas, parce que le Relby, à sa description, j'ai vu que c'était un fusil précision. C'est un fusil de précision sur dépôt rebelle. Ça va moyennement le faire, je pense. Faudrait peut-être prendre le pistolet. Ou alors. Je sais pas trop. Bon, du coup. Ouais, on va prendre le DL18. On verra après si ça se passe vraiment mal. Peut-être prendre le Relby. Voilà. Allez, let's go. Est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on perd? Est-ce que c'est le début? C'est le début, mais on perd. Oh. Ils ont pris une zone, c'est salaud. Oh, les salauds. Bah, ça va pas me démotiver, ça. De toute façon, zone de largage, je vous dis des conneries. J'y avais déjà joué dans une vidéo. C'était présentation du DLC avec Crépuscule sur Hoth, là. Avec la map ouais, Crépuscule sur Hoth. Donc, oui. Forcément, je connais bien. Donc, ouais. Mais j'avais pas encore fait, de toute façon, de vidéo consacrée au mode zone de largage. Donc, j'en profite, quoi. Bon, en tout cas, ça commence plutôt mal. Ce qui est bizarre surtout avec cette arme et qui me choque, c'est que son viseur, il est comme ça, quoi. C'est le premier blaster que je vois comme ça. Déjà, il est pas en automatique. Ouais, c'est bien ça. Il est bien en coup par coup, donc faut que je fasse gaffe. Ouais, ça va être plutôt chaud, je pense, à maîtriser cette arme. Ouais, le mec... Waouh, il m'a complètement pouné. Ah mais c'est sûr, toi, ton DH-17, il est automatique, hein. Les impériaux ont sécurisé une capsule de sauvetage. Donc, si je me fais démonter comme ça, je vais vite, c'est sûr, changer avec le Relby, quoi. Je vais pas tarder. On a localisé une autre capsule. Là, ça devient un peu embêtant. Putain, j'ai du mal. Ok, j'ai fait un kill, mais j'ai du mal. Par contre, le DL-44... Je pense qu'il est plutôt semblable, mais le DL-44, je vois tellement de gens jouer avec et qui me mettent des one comme lui là. Je pense que ça va être une super arme, mais elle est débloquée niveau 25, donc ouais, je jouerai bientôt, je suis niveau 22 je crois. Hier j'ai passé niveau 22 je crois, donc ouais. Ça va venir assez vite.
J'ai hâte de voir, parce que je vois souvent des gens jouer avec et mettre des sales trucs. Oh, t'es sérieux? Ah, mais il y a le Del 18 aussi. Bah, pourtant, il m'a eu. Et j'ai pas réussi à prendre avantage. Bon, on va dire que c'est qu'on s'échauffe là. Voilà, je prends les trucs en main, tranquille. Même du coup, c'était pas du tout tranquille, mais c'est pas grave. Là, il y a des mecs qui vont se pointer, bah oui. Ouais, non, je galère avec cette arme, hein. Elle est bizarre. Son viseur qui est bizarre. Du coup, il est mort ou pas? J'ai cru avoir assistance, donc oui, normalement, il est mort. Ouais, bon, on va passer par là. Si on tombe nez à nez, ben, on sait ce qu'on a à faire. Ouh. Là, je pense qu'il y a deux mecs qui vont débouler, tu sais, en mode... Oh non, mais arrête, tu me fais défoncer, là. Je fais du 5, du 1-5, là, je pense. Ouais, 1-5, c'est ça. Beau calcul, bravo. Beau calcul des morts, oh, c'est triste. Ah non, mais ce pistolet, j'ai l'impression qu'il merde. Ouais. Revenir en sortie n'est pas très bon. Putain, mais j'ai l'impression de pas du tout être précis, quoi, c'est bizarre. Ouais, mais non, mais il galère, hein. Wow, il est pas précis, quoi. Et j'aime pas son viseur en plus. Et là, vous allez tous me dire en commentaire, faut pas viser. Oui, oui, je veux bien, mais ça me stresse de pas viser. Oh là 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 là, putain, ils prennent pas. Ceux qui ont cette arme, s'il vous plaît, confirmez-moi, c'est de la merde là, parce que j'y crois pas. J'y crois vraiment pas là, que ce soit vraiment une bonne arme. Parce que là, non. Regardez! Mais même assez. Ah, enfin, je l'ai tué, quoi. Ouais. Non, j'ai pas encore changé. Je vais pas prendre de Relby tout de suite. Une autre capsule a touché le mais c'est plutôt catastrophique, hein. En plus, bon, là, qu'on se le dit, je suis vraiment dans l'équipe des perdants. Ah oui, ah oui. Ah oui, parce que moi, j'ai beau galérer avec mon arme, mais les alliés, ils font des beaux scores. Ah hein. Oh. Non, mais c'est pas sympa. Première partie de la journée, ils me mettent déjà avec les noobs. C'est pas vraiment de bon augure. Hein. Ils auraient pu se calmer sur la difficulté. Parce que déjà, jouer avec une arme difficile, en tout cas pour moi, c'est une arme difficile, c'est pas cool. Si en plus les alliés ils sont nuls, c'est encore moins cool. Ok, toi t'es mort. Oh putain. J'aurais pas mettre autant de balles avec une arme comme ça qui en coupe partout. Bon après vu que c'est un blaster, oui je suis d'accord, il est pas fait pour les longues distances. J'ai pas vraiment le choix, sur ce jeu il n'y a pas d'armes secondaires, hein, que des armes principales. Et même les blasters sont... Putain, ça rentre pas, il est pas précis cette arme, elle est pas précise. Ah oh. Berk. Je vais terminer la game, vu que là je sais qu'on va perdre, ils vont prendre la dernière capsule et puis ils finissent la game et... Elle est horrible cette arme, je comprends pas, bon bah... Première partie, bon, semi-partie catastrophique, mais regardez les alliés. Bon, j'ai beau faire du 4-11, ok, mais bon, 7-18, 4-15, 3-12. Et les autres rage-kit. Au revoir. Non, laisse tomber, quoi. Ça, c'est la in-game que je devrais même pas rec. Mais, c'est du live commentary, donc je vous rec tout. Même ça. Même ça. Ah oui. Bah oui, comme ça, on se fait passer pour un PGM. Bah non, justement. Au contraire. C'est pas grave. C'est les choses qui arrivent. Toutou. Et au moins normalement j'avance dans mon... Ouais j'avance dans les défis pour le fusil DLT 19X. 4-11, non mais merci de remettre ce score mais veux-tu bien partir? Oust. J'ai vraiment pas envie de rester dans cet accueil parce que je sens que je serai avec les mêmes alliés. Si c'est le cas, catastrophe. Ouais, je préfère quitter honnêtement. Là, non, j'ai pas la patience de rester avec eux. Surtout que là, cette map, bon, c'était la map qu'on avait déjà sur la bêta en zone de largage. Donc, la refaire comme ça, non, c'est pas top. Je préfère une autre map. Parce que là, c'est pas très très cool. Ok. J'espère en tout cas vraiment que je vais trouver là une partie qui n'est pas commencée. Tout début de partie, ce serait impec, ce serait le timing excellent quoi. Allez, c'est parti du coup pour la seconde partie. On va se retrouver cette fois-ci sur Marne de Goazon. Je pense que c'est parfait comme map pour justement un fusil de précision.
Bon, bon après j'ai jamais joué au rugby donc je sais pas vraiment ce qu'il en est. Juste aussi ils avaient dit dans la description que la cadence dépendait vraiment de ta vitesse sur laquelle t'appuyais sur ta gâchette. Donc je pense que vraiment si tu mitrailles et que t'as le rapid finger comme j'appelle, tu dois avoir une putain de cadence. Enfin j'espère, on verra. Déjà je sais même pas non plus à quoi ressemble l'arme. Alors on va voir, est-ce que déjà je l'ai équipé? Ouais c'est bon, rugby équipé. Donc on est parti. On est parti pour cette seconde partie. Est-ce que la partie a déjà commencé? Ouais non elle vient de commencer, ça va. Allez. Alors. Ouais vous voyez ça ressemble pas du tout à un fusil de précision. Par contre Noël, viseur et... Ah oui. Ah oui la cadence a l'air vraiment tip top. Quand t'as le rapid finger. Ok ça a l'air bien. Reste plus qu'à voir maintenant ce que ça donne au niveau des dégâts et de la portée. Bah tiens là on va voir direct la portée. What? Ok. Ok. Je sais pas si le mec était mal mais... ouh. Lui merde ses trucs. Bon elle a l'air plutôt bien cette arme pour l'instant. Je m'avance peut-être un peu trop mais bon. Ce que j'espère le plus c'est que la partie sera déjà mieux que la partie précédente. Même si bon c'est une partie un peu plus échauffe. Là normalement je suis un peu mieux on va dire. Merde, lui je voulais bien le tuer mais il a piqué. Oh non non non, what? Oh putain ouais mais la 280, moi j'aimerais bien aussi jouer avec cette arme mais bon je préfère découvrir d'autres armes. Sinon si je veux faire les bonnes parties, oui je prends la 280 et tout se passe bien. Je prends la 280 et tout se passe bien. On pourrait faire un jingle. Oh non, sérieux. Il a mis son bouclier. Et il est en train de se barrer. Et on va me le voler. Par contre, n'exagère pas. Hein. Quand je suis dessus. Hein. Faut pas me dire non plus que je suis tiré à côté. Quoi. Viseur est dessus, c'est que je suis vraiment dessus. Voilà, j'insiste. Bon lui, lui il, doit lui rester, il devait lui rester 5 points de vie mais vraiment pas plus. Ok, faut vraiment que j'arrive à faire une meilleure partie, sinon la vidéo elle sera médiocre. Au niveau du gameplay. Ouais, ça c'est pas top quand c'est médiocre. Waouh. Voilà, si elle a l'air vraiment bien cette arme. Pourquoi il me dit partager? J'ai rien fait de spécial à part un long shot au rugby. Est-ce que ça est si exceptionnel que ça? Je pense pas. Hein. N'exagérons rien. What? Oh qu'est-ce qu'il foutait là lui? Mais non. Oh, j'ai que des soutiens d'élimination là. J'ai du combien? 3-3. Capsule capturée, ça c'est cool. Bon au moins on gagne. Est-ce que j'ai des bras cassés avec moi? Non c'est bon. Au moins là c'est un peu inversé les rôles parce que c'est vrai que vraiment la partie d'avant, je le répète, mais j'avais vraiment des bras cassés avec moi, déjà que j'avais de la difficulté. Si en plus mes alliés ont de la difficulté, tu t'en sors plus quoi. Quelqu'un là? Ouais en haut. Le cas! Oh putain il s'est cassé. Ah non il s'est pas cassé. Ah putain. Comme j'ai beaucoup d'assistance avec cette arme quoi. C'est moi top. Merde il y a un droïde son de vipère. Je me casse, je me casse. Sinon il va me tuer. C'est pas vraiment en fait un fusil de précision, c'est plus on va dire bon un blaster en semi-auto quoi. Bon là bah, vraiment pas la caractéristique d'un sniper. Hein. Sa cadence et tout et ses dégâts, non. On va dire que c'est un T21 avec beaucoup plus de cadence et moins de dégâts aussi forcément quoi. C'est un peu ça. Par contre je sais pas d'où ils vont arriver là mais faut faire gaffe. Par là directement. Ah non, derrière, ils vont peut-être venir. Oh non, mais j'ai pas visé mes 3 points de vie. Je déteste ça. Je déteste. Je déteste quand il reste 3 points de vie. Sérieux, 3 points de vie, quoi. Tu lances un caillou, le mec, il est mort. Il est mort. Tu lances un petit caillou, là. Tout petit, un gravier. Tu lances un gravier, il est mort. Carrément, quoi. Oh, c'est abusé. Surtout que ça me compte pas pour une élimination après. Si, si je crois un allié le fut, ça, je crois que ça le fait pas. Hein. Donc c'est l'humiliation est plus totale. Ok, bien joué, toi par contre. Ça m'a encore arrivé là, non? Ouais. Hop, ok. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir sur ce jeu et ça c'est good. Non! Combien de... 4 points de vie cette fois, mais non! Mais non, mais non, mais non, mais non! Putain!
Oh mais le Relby ça va pas être l'arme avec laquelle je vais donner des kills aux ennemis, aux alliés ou quoi, parce que là en fait je les affaiblis et eux ils les tuent quoi. Mais ça me donne pas de kill. Putain merde lui il va me tuer. Ah ils tuent surtout s'ils sont deux. Merde. 5-6 putain j'arrive pas aujourd'hui hein. Hier putain je jouerais très très bien. Hier c'était différent, j'étais pas en vidéo, là quand je suis en vidéo, je vais te faire de la merde. Oh et là on s'entretue. C'est presque pareil que s'il restait 3 points de vie. Bon, j'ai le kill, mais je meurs quand même. Ah, putain, oui. Belle fuite, belle fuite, belle fuite. Dégage. Je sais pas d'où il va venir, lui. Ouf, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Quelqu'un qui va venir, là. Voilà, il est en bas. On doit empêcher les intérieurs de sécuriser cette capsule. Il est là. Non. Putain. Ah ouais mais le DH-17 tu peux pas rien faire contre ça en corps à corps forcément. Je te fais rect et puis c'est tout. Aïe aïe aïe. Non 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 non. Je me casse adios. Heureusement que j'ai mon bouclier. Ok. Bon peut-être qu'ils vont venir par là du coup. Il n'y a pas non plus 20 000 entrées pour cette grotte. Si je me mettais là. Oh bon, on a fini. Ouf. Ok. Bah 7-8 c'est catastrophique. Hein. Désolé mais c'est catastrophique. Déteste faire du négatif quoi. Je vais rejouer au Relby. Mais il est pas facile d'utilisation que ça. Surtout que le truc le plus problématique, je trouve, c'est son, c'est ses dégâts. Peut-être pas assez de dégâts, je dirais. Surtout pour une arme comme ça, de ce type. Parce que bon, si tu compares à un autre fusil de précision qu'on a sur le jeu, le T21B, bah T21B, c'est pas les mêmes dégâts. Hein. T21B, c'est deux lasers et t'es mort. L'affaire est faite. Ok, là, il me reste 15... Ouais, bah 15 immunations au fusil cycleur, c'est malin, ça. Il me reste ce défi, mais je peux pas le faire, vu que je n'ai pas débloqué le fusil cycleur. Bon, après, j'aurai le DLT-19X, du coup, de débloquer. Allez, du coup, on va se faire une troisième partie. Ouais, il y aura le temps de faire même une quatrième après, hein. Je pense. Ok, ah, peut-être que sur cette map, ce sera mieux. Ouais, peut-être, peut-être pas. Et la tribu, du coup, ça, je sais pas ce que c'est, la tribu. Pour ceux qui connaissent bien Star Wars Battlefront, ce serait sympa de me dire ce que c'est l'attribut, parce que je vois tout le monde avec les attributs, mais j'ai aucune, ouais, je sais pas en fait comment on le met l'attribut, comment on l'équipe. Ah non, je sais, les attributs c'est ça, non, c'est juste que j'ai pas débloqué, c'est ça, non. Ouais, je crois que c'est ça, je pense que c'est ça, parce que, bah, je peux pas mettre d'attributs pour l'instant, concrètement. Ce qui est un peu dommage. Allez, hop, on prend le Relby, et là... Faut le faire. Faut les rect. Pas le choix. J'espère vraiment que je vais faire une meilleure partie que les deux précédentes. Bon, on voit une évolution, mais c'est pas encore ça, quoi. Ok, c'est parti. J'ai peut-être envie aussi de, on va dire, peut-être baisser ma sensi, je sais pas pourquoi. Mais avec cette arme, j'ai l'impression que ma sensi est décuplée. Commande, sensibilité, on va mettre à 50 de base. Nous récupérons la capsule de sauvetage. Voilà. Hop, 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 ok. Déjà un peu moins élevé. Et on y va, du coup. Ta, ta, ta. Pour l'instant, ils sont pas encore arrivés. Au cœur du combat. Ah oh bah si, bah ok. J'ai rien dit. Non, mais le DH, il est vraiment cheaté ou ça se passe comment, quoi? Parce que là, depuis le début de la vidéo, j'ai l'impression de me faire one par des DH-17 dans tous les sens. Commence déjà mal quoi. Ça j'aime pas parce que les jeux où je joue pas souvent comme ça, après bah il y a sûrement des armes cheatées parce que dans tous les jeux il y a des armes cheatées. Mais bon, le problème dans ces jeux là, je sais pas ce que c'est les armes cheatées, donc je peux pas trop dire. Mais... quand tu te fais presque one shot comme ça, tu te dis un problème. Ah ouais, mais regardez les dégâts. Non, Relby, il a une bonne cadence et tout. Bonne portée, je dirais même, mais les dégâts ils sont pas assez élevés là, c'est pas possible. Est-ce que vous avez vu tous les lasers que j'ai mis là? Non quoi, c'est une blague qui meurt pas.
Surtout que c'était haut du corps que je lui ai mis. Pour bien accentuer les choses. C'est pas top, pas top. Je veux bien tester des armes, ouais, mais bon, c'est pour me faire avoir à chaque fois. Bah, je veux plus, hein. Fini. Je joue avec les armes avec lesquelles je sais que je fais des bons trucs, et puis... Et puis, basta la vista. Ah, ça va arriver, je pense, par là. Non ? Oh putain, j'ai cru qu'il allait s'enfuir lui. Précision non plus est pas excellente. Bon, ça va encore, mais il y a mieux. Oh putain, il m'a piqué le kill là. Façon violente. Encore. Ça me compte pas en plus comme désignation et ça je trouve vachement nul. Sur Battlefield, si vraiment... Normalement c'est ça, ouais. Sur Battlefield, quand je crois tu fais 75% de dégâts à l'ennemi. Même si c'est pas toi qui le tue, ça tombe comme une élimination. Là, sur Battlefront, j'ai pas l'impression... Oh merde! Je crois que c'était un allié, lui! Sur Battlefront, ça compte pas. C'est dégueulasse, parce que tu vas lui bouffer quasiment toute sa vie, et tu te tapes une vieille assistance qui sert à rien, quoi. Je trouve ça vachement nul, quoi. Parce que là, il y a au moins deux ennemis, je méritais de les tuer, ils me les ont piqués au dernier moment. J'ai même pas eu l'élimination, quoi. Merci. Ça, c'est un peu nul, par contre. Parce que bon, si tu galères, mais en plus que tes alliés ils t'ont galéré en piquant tous tes kills, ils sont bien sympas, mais faut arrêter quoi. Là, ils vont arriver d'où? Là, ouais. Par là, je pense. Nous avons récupéré la capsule de sauvetage. Par contre, on les enchaîne au niveau des capsules, c'est ouf. Une nouvelle capsule a été larguée. Je sais pas où ils sont. Rejoignez là. Sa position et prenez-la. Ah, mais il est derrière la capsule, lui. Oh, malin. J'aimerais bien voler des kills, moi, sinon, aussi. Ah, bah voilà. Là, j'ai volé un kill. Ça, c'est cool. Enfin. Fait plaisir quand c'est toi qui le fais, quoi. Ça change, surtout. Ah, bon, lui, il est mort. Cette map quand même est vachement grande. Hein. Ok. Peut-être que je spam trop aussi et ça me donne une trop grosse cadence. Parce que là j'ai moins, on va dire, spammé entre guillemets. Et ça allait un peu mieux, on va dire. C'est peut-être moi je tire trop vite en fait. Parce que bon, c'est un peu toi du coup qui jauge ta cadence avec cette arme. Donc forcément si tu spam comme je le fais, c'est vrai que la précision elle en prend un coup. Oh mais là on va encore gagner la partie en 2 secondes hein. Tant mieux, j'aime bien gagner mais t'as pas le temps de faire d'autres choses après. Oh non, là par contre j'ai rien eu. Même pas d'assise, rien. Attends, je vais tirer dessus. Oh non, lui il va se cacher. Ah viens de là. Voilà, soutien, merci. Je n'aime pas les soutiens d'élimination, ça a rien. J'ai plus de soutien d'élimination que d'élimination, quoi. Ça devient catastrophique. Et ouais, les ennemis, ils prennent pas du tout objectif, en fait, quoi. Les sales rebelles sont en train de récupérer la capsule de sauvetage. Il faut les arrêter. Ok. Bon, je fais du 5-3. Je pense qu'avec l'assistant, je ferai une très bonne partie, quoi. Si ça avait été des kills. Et pas des assistances de merde. Ils sont morts là, c'est bon, on a le 5-0 là. On a le rect. En plus ils arrivent d'où? Ils arrivent de là. Ouais. Méfiez-vous des unités ennemies. Quoi? Oh putain, on s'est entretués. Bon bah 6-4. Non mais c'est des parties comme ça, t'as pas le temps de faire des kills, c'est nul quoi. Si t'as le temps de faire des assists, c'est déjà ça. Bon, à part ça, c'est pas top quoi. Allez l'XP, monte. Bah, du coup je pense qu'on a le temps de se faire une dernière partie.
Les équipes sont pas assez équilibrées là au niveau des scores, enfin des scores d'équipe. Bon, après les scores en général, je veux bien qu'ils soient bons, mais ils jouent pas l'objectif donc c'est pas drôle. Pas drôle les parties qui finissent comme ça quoi. Quand tu montes, tu fais aussi 6 kills dans une partie, il y a des problèmes. Hein. Tu te dis qu'est-ce qui se passe. Je trouve les assists là. Hein. Trop d'assists. Plus l'assiste. Bon, le rugby, ça commence un peu à le faire, on va dire. Je commence un peu à maîtriser l'arme, mais c'est un peu chaud tout de même. Hein. Ah, parfait. J'adore cette map. Crépuscule sur hot. Ouf. Ça va le faire là, je pense. Ça va vraiment bien le faire. On s'arrêtera du coup sur cette map. Bon, j'aurais pu faire 4 parties, enfin 3 parties et demie, vu que la première elle était bien commencée. Allez, c'est parti. Ouais, crépuscule sur hot. Là par contre, je vais pas avoir le droit vraiment de viser, je pense, parce que quand on sera dans les cavernes, c'est plus des combats de corps à corps. Pourquoi ça provoque à lui? What? J'ai jamais encore acheté de provoque, je crois. J'ai toujours ceux de base. Oh, pour l'instant, je vois pas trop l'utilité. Hein. Je préfère garder mon argent pour acheter autre chose que les provoques. Surtout que je m'en sers jamais à part comme ça en tout début pour attendre. Ok, donc zone de largage sur cette map, on l'avait du coup déjà fait quand je l'avais fait crépuscule sur hot là. Je crois que c'était à ce moment-là. Ça devrait bien se passer hein, au niveau de la connaissance en tout cas de la map. Enfin, tous des emplacements des potentielles zones. Alors, par contre... Voilà, premier kill, ça c'est cool de commencer par une élimination. Ça te donne chaud au cœur, ah oui. Imagine même pas. Par contre, ils vont arriver par où maintenant? Par là. Je vais aller ici en hauteur, comme une pute. J'ai bien raison. Quoi, il y en a d'autres? Non, normalement c'est bon. Ah, ici, de toute façon, c'est le meilleur spot, on est d'accord. Hein. Ah, ils utilisent tous leur jetpack. Pour dire que tout le monde sur ce jeu a le jetpack. Hein. Vraiment, quoi. Ah, parfait. Parfait, parfait, la petite double. Ah, je commence un peu à me débrouiller avec cette arme, moi je vous le dis. Alors, c'est cette map qui me réussit parce que vraiment, dans cette map, j'arrive toujours à faire des bonnes parties, j'ai remarqué. Non, vraiment, je l'adore. C'est une de mes maps préférées de Battlefront. C'est le top crépuscule sur hot. En tout cas, dans les petites maps, parce que dans les grandes maps, j'ai pas trop pu y jouer encore. Je l'ai fait en attaque des marcheurs. C'était pas top, tip, top, top. Mais bon, j'étais arrivé en cours de partie. Mais sinon, je crois que j'ai jamais joué dans les grandes maps crépuscule sur hot. C'était à chaque fois dans les modes comme ça. Zone de largage, etc., etc., quoi. On a l'emplacement d'une nouvelle capsule. Ok. Ah, les poules là-bas, je vais passer par en haut du coup. En espérant qu'ils m'atteindraient pas. Non, ça va. Ah, mais là, je déboule direct sur la zone. Normalement, ouais. Ah, il y a une tourelle par contre là. Faire gaffe. Bon, vous venez ou quoi? Vous attendez quoi là? Normalement il devrait pas arriver dans mon bac je pense. Ouais, j'ai l'impression vraiment ouais c'est la même partie que les deux précédentes, ils foutent rien au niveau de la capture d'objectif quoi, ils foutent vraiment rien. Ah, par contre là, putain j'avais la double, ils sont partis. Ouais ok, oh putain il m'a mis mal. Je vais dire qu'est-ce que tu crois, mais ouais non, il a bien fait de croire là parce qu'il aurait pu me tuer. Je vais peut-être essayer de les prendre par là. Merde, par contre là, je voulais avancer vite avec le jetpack, ça a pas trop fonctionné. M'a un peu ralenti. Si, ouais, je commence à mieux maîtriser l'arme. Faut pas déjà bourriner, faire le rapid finger, parce que pour avoir la précision, elle part en couille. Donc faut un peu se calmer, mais tout en quand même tirant assez vite, et ça le fait quand même à longue distance là. Donc si, vraiment, l'arme est vraiment bien, mais faut savoir la gérer. Là, je commence déjà un peu à la maîtriser. Donc c'est cool. Et je pense que bon, prochaine vidéo, peut-être je vous referai un gameplay avec. Et pour alors, ce sera nice quoi. Je vais un peu jouer de mon côté pour alors. Alors, ouais, ici je peux pas passer. Il n'y a pas une autre crevasse où je peux tomber. Comme ça, je retombe dessus. What surprise!
Par là, normalement, il y a un accès, non? Non, il n'y a pas d'accès. Je suis obligé de passer par là, sauf que... Oh, non, en fait, je serais pile derrière eux. Hein. Ouais. Enfin, derrière lui, surtout. Hop. J'ai mes petits défis, c'est cool. Bah, 7-1, pour l'instant, c'est nice. Très, très bon. Faut que je continue comme ça, du coup. Hop, on prend quoi, alors? Une de proximité, ok. Bah, pour couvrir la zone de largage, au moins, c'est nice. Putain, on est déjà à 3-0, ils foutent rien vraiment. Hein. Bon, moi aussi je fous rien pour capturer, mais ils font tout mes alliés en fait. Les alliés ils cherchent pas à comprendre, ils capturent, ils capturent, ils capturent. Le reste, ils s'en foutent. C'est only capture, only objective player. Elle est où la zone là? Merde là. Non! Les impériaux s'emparent de cette capsule de sauvetage. Putain, il doit m'attendre le mec, je pense. Ouais, j'y vais pas, il doit m'attendre. En mode Vislar. En mode... Je vais t'attendre, mon petit. Donc j'y vais même pas. Parce que sinon, je lui donnerai raison. Tiens, il est là-bas, non? C'est lui. Oh putain. Il y avait une mine de proximité, je crois. Ok. Parfait, parfait, parfait. J'arrive! Est-ce que ça sert que je mette ma mine ici? Parce que je pense que... Ouais, voilà, elle est capturée, c'est bien ce que je pensais. Par contre, il y a un mec là-haut. Et pas que en haut! Putain, je l'ai pas eu, dommage, 25 points de vie. Je lui mettais 2 balles, il était mort, je pense. Enfin, 2 lasers. Je pense qu'il était carry, il était mort, il était dead. Dans tous les sens du terme. La capsule de sauvetage sera bientôt à nous. Allez, on a encore capturé. J'en ai presque marre que mes alliés soient trop efficaces en mode capture. Ils jouent trop l'objectif là, faut se calmer hein. Je veux bien qu'on prenne l'objectif pour gagner, c'est bien, mais là ils abusent hein. Ah, par contre, pique pas mon kill s'il te plaît. Putain, hein. Reviens là toi. Oh, laisse. Allez, come on. Ils viennent même pas attaquer, ils font rien. Je vais faire un 10e kill moi pourtant. On l'a notre... Non, on l'a pas notre 10e kill, putain, pourquoi ils sont arrivés? Ah si. Oh putain, son pied. Il avait un pied élastique. Ouais, j'ai bien passé la mine là, bien content de moi. Surtout je me venge de toutes les mines que je me prends d'habitude. Allez, mettre de la zone de largage, ça c'est fait, voilà. Bon bah finalement cette vidéo au niveau des gameplays c'est un peu en crescendo. Premier gameplay moisi, deuxième gameplay nul. Troisième gameplay ça a commencé à s'améliorer, quatrième gameplay il est bon. C'est cool, c'est cool. Relby maintenant on va dire que je le maîtrise, peut-être pas encore à 100% mais comme je vous l'ai dit encore, prochaine vidéo ça devrait le faire si je refais un gameplay avec. Je sais pas, je verrai. Hein. Mais ça devrait le faire dans tous les cas. Bah oui. Bientôt niveau 23. Bon, en tout cas le pistolet, bon j'ai pas joué même pas une partie avec, mais il a l'air plutôt nul hein. Le Dell 18 là c'est pas une réussite lui par contre hein. Non, 10-3 du coup c'est une bonne partie. J'aurais aimé faire un peu plus de kills mais bon j'ai pas eu le temps avec mes alliés forcément. Eux ils ont pas le temps de niaiser. Du coup bah j'espère que cette vidéo consacrée à la zone de largage bah vous a plu. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, hein, vous le savez. C'est la récompense qui fait toujours plaisir. Du coup, la prochaine fois, qui sera bah, mercredi prochain normalement, on passera au prochain mode de jeu. Prochain mode de jeu, je crois que c'est la course au droïde. On va voir ça ensemble directement. Si c'est bien course au droïde, c'est un mode que j'ai jamais fait. Donc ce sera une pure découverte là avec vous de ce mode de jeu. Ouais, c'est bien ça. On a course au droïde et finalement, on a bientôt fait le tour des modes de jeu parce qu'après, il y aura track du héros. Et il y aura la plaque tournante pour finir. Puis après, on aura fait le tour des modes de jeu Star Wars Battlefront. Donc, faudra passer à d'autres trucs. Mais j'ai déjà des idées. Vous inquiétez pas pour la suite de la série. Du coup, bah, plus qu'une chose à vous dire. Pour bien conclure cette vidéo. Bye à tout le monde! Oh yeah!